aujourd'hui on se retrouve sur Brookhaven. Mais quelle surprise, mon dieu! Oh my god, qui allait deviner que je serais connectée sur Brookhaven après les cours? Parce que oui, j'ai plein d'examens. Dites-moi si vous aussi, avant les vacances, vos profs là, ils vous mettent pas là les devoirs et les contrôles, j'en ai marre! Et j'ai donc décidé de recruter des gens qui vont m'aider à faire mes devoirs, mais ça, ils ne le savent pas. De base, je vais d'abord les recruter pour venir dans mon armée, mais en fait, ça va être mon armée de gens qui font mes devoirs. On va essayer de trouver des Français. Là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a du peuple, dis-moi. En plus, il y a plein d'enfants. Ils sont plus jeunes que moi. Ouais, mais c'est bon, je parie qu'ils vont savoir faire mes devoirs. Je vais sonner chez eux, je vais leur demander s'ils veulent venir dans mon armée. Parce que je recrute. Non, mais c'est pas que je vous vois pas, mais j'ai sonné à la porte et je vous vois en train de manger des donuts. Allô? Mais venez m'ouvrir, non, genre? Mais c'est quoi ces gens? Ils ont jamais leur porte. Regardez, ils sont en train de se taper leurs meilleurs donuts. En plus, ils mangent des donuts et des pancakes. Et j'espère qu'ils vont avoir bien le diabète et qu'ils vont mourir. Et mais je vous vois, hein. Ah bah enfin, elle s'est levée, mais c'est pas pour vous descendre, venir ouvrir ma porte. Avec sa grosse tête, là, c'est bon, ils m'ont saoulé. Je m'en vais. Là, je vois qu'il y a personne. On va juste sonner comme ça. On a mis un petit coup de sonnette. Attendez, ça fait quoi si je fais là? Quoi, je peux... Ah, je peux écrire un truc dessus. En plus, on voit bien en jaune dessus. Alors, je recrute pas l'autre là-haut, là, l'autre zinzin. Parce que je suis sûre, en fait, c'est un cancre. Attends, comment ça? Il y a une autre voiture de militaire. Attendez, déjà, j'ai fermé parce qu'on va me voler ma voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh oh! Eh, moi, je suis la seule armée qui a le droit d'être ici. Mais en plus, regardez, ils se mangent les fenêtres. Comment voulez-vous que cette personne... Attendez. Elle rentre dans mon camion. Bah, je vais la kidnapper. Écoutez, c'est une invitation. Il y a pas de problème. Je la prends avec moi. On va aller voir de l'autre côté s'il y a des maisons avec des gens qu'on peut recruter. Il y a des maisons. Il y en a une et deux. Là, il y a des gens. On va aller les voir, mes stars. Ah, c'est des Français. T'es qui? Comment ça? Ça se voit pas. Je suis militaire quand même. Et il y a une étoile sur ma casquette. Il y a marqué silver sur mon truc. Moi, comment ça, il y a un cœur? Comment ça, il y a un cœur? Je suis censée être quoi là? Oh, en plus, l'autre, il est sorti avec son arme. On dirait mon garde du corps. Et on est censé recruter les gens, hein, pas les tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Ok, je peux venir. Vas-y, viens, monte. Elle me donne une arme. Et vas-y, hein, je la prends son arme. Mais pourquoi la mienne elle est pas violette? Pourquoi son arme à lui il est violet et pas moi? Moi aussi j'ai une arme. Non, j'ai une arme rose. On va aller voir ces gens-là. Des Français ou pas? Wesh! C'est quoi ça? Mais wesh! Mais sors pas à poil comme ça, mais ça va pas, non? Le mec il est sorti sur mon caleçon. Le mec il a des poils sur les bras et il a décidé de couper son jeans pour en faire un short. Mais il en a fait un caleçon. Et il y a un avenir, venez dans mon armée de militaires qui font mes devoirs à ma place. Quoi, tu me bannes alors? Ah oui, ça se dit pour une histoire de ban. Bah, en même temps, se faire bannir par un mec en caleçon comme ça, je sais pas si c'est pas une bonne chose finalement. Je vais rentrer dans l'embrouille, je vais lui dire ouais, non mais c'est vrai, quoi, tu l'as banni? Je te connais pas. Bah oui, j'ai capté que tu ne le connaissais pas. Mais vous pouvez faire connaissance aussi. Bah ouais, au final, tu vas jouer tout seul. En même temps, moi j'ai pas très envie de jouer avec lui, un petit peu peur. C'est vrai que si le mec dans mon armée, il pouvait le zigouiller, je dis pas non. Pas de problème, il me fait trop peur. Il s'est fait bannir. Il va fermer la porte, vous allez voir, il va s'enfermer dans sa maison. Sortez. Et comment ça, on est sorti, mais on est déjà dehors. Il est revenu, mais cette fois-ci, il a mis un bouclier. Mes stars. Regarde, en plus, j'ai mon homme de l'armée, il a un bouclier anti-Faïs, parce qu'il s'appelle Faïs. Face, je sais pas comment qu'on dit. Mais en plus, son pseudo, c'est Emma. C'est plus simple à dire. Je vais l'appeler Emma. Bah, tu vas faire quoi? Mais pourquoi il veut qu'on sorte? On est déjà dehors. Mais j'ai rien fait. Il y a un mec qui s'est ramené avec une dépanneuse. Mais c'est ma voiture, non? Et quand même, mes stars, on s'embrouille avec un mec à poil dans la rue. Non, mais toi, tu vas t'habiller, hein. En fait, ça se fait, c'est Luna, sa meuf. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle m'embarque? Déjà, elle va me faire rentrer dedans pour que je me fasse bannir. Bon, t'arrêtes de nous maltraiter là, ok? Je vais t'en mettre une pas deux. Non, mais la violence, quand même. Comment il s'appelle? L'Azu, je vais l'appeler l'Azu. L'Azu, tu vas te calmer quand même. Parce que moi, je suis pas trop la violence, hein. Moi, je suis pacifiste dans l'âme, quand même. Non, je dis ça, mais depuis tout à l'heure, j'ai envie de tarter tout le monde. Toi, t'as 9 ans. Ah, bah, au moins, il s'habille. Ouais, je lui ai dit de s'habiller, s'habiller. Non, mais je crois que c'est la première fois dans une vidéo, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui fait ce que je lui demande. Mais ça veut dire, je vais demander de faire mes devoirs. Parce que si il s'habillait quand je lui ai demandé, maintenant, si je lui demande de faire mes devoirs, il va les faire, mes stars. J'ai 62 ans, je t'ai menti. Non, mais l'Azu, s'il te plaît, quand même, doucement sur le mytho. Mais même Emma a dit mytho, comment ça non? Pourquoi? Il va appeler la police. Juste pour rigoler, je vais demander Emma en ami. Je vais lui mettre un petit cœur. Hey, comment ça il se met dans la police? Mais déjà, je suis militaire, tu peux rien faire. Je suis au-dessus de toi, je crois. Pas trop sûr, mais peut-être. Je suis en couple. Non mais moi je veux pas être en couple avec toi. Car c'est vrai. Mais c'est ça parce que je t'ai dit que je t'ai ajouté en ami, mais moi je veux pas être en couple. Wesh, non mais je me suis tapé un sketch là, c'est vraiment pas possible. J'écris un texte et mes stars, regardez, il n'apparaît même pas. Je suis une star, moi. Donc, en vrai, je disais que moi, je suis une star et je peux me mettre que en couple avec des stars et des célébrités. Normal, t'es une babesse. Quoi? Mais qu'est-ce... Ah oui, tu lèves la main sur moi? Je te tue. Voilà, t'es mort. La muerte. La muerte. La plata. Oh, loup. La plombo. Ouais.
On est immortel. Ah bon? Je savais pas, hein, vraiment, que les gens, ils pouvaient pas mourir sur Brookhaven. Vraiment, c'est un scoop. C'est vraiment un scoop de dingue, mais ça, il m'a appris un truc de fou. Je vais essayer de créer des embrouilles et je dis pourquoi elle pleure ta copine se l'a giflée. Parce que juste à l'instant, mes stars, elle était en train de pleurer à côté et je sais vraiment pas pourquoi. Mais du coup, je fais genre, en gros, ouais, tu l'as giflée. Faut arrêter les violences en 2024, à un moment donné, ça suffit, c'est fini. Elle est même pas française. Luna? Bah si, elle va être en couple en français, non? 2023, wesh. Voilà, elle vient de parler, je crois que le wesh, c'est du français. Sinon, le tarert. J'ai pas capté, il a bégayé mes stars. Ah, sinon, je t'arrête, je crois qu'il a voulu écrire, mais je suis pas trop sûre. Mais il peut pas m'arrêter, je suis militaire. Après, c'est vrai, on est en 2023, mes stars. Mais bon, c'est possible que la vidéo, elle va sortir en 2024. On est quand même en décembre, déjà. Bah, tu peux pas, je suis militaire, tu peux pas m'arrêter. Mes stars, je retiens quand même une chose, c'est que Luna, elle a pas dit non au fait qu'il y a son copain qui la frappait. Elle a juste dit qu'on était en 2023. Luna, vas-y, ouais, je fais mes devoirs. Ouais, quoique, non, regardez le message qu'elle a écrit. Jamais de la vie, je donne mes devoirs. Avec elle, je vais me taper des zéros. Elle est genouinée, sa copine. Je suis le maire, donc. Et moi, j'ai créé le jeu aussi, tu vois. Donc, tu vas faire quoi maintenant? C'est pas vrai du tout, mes stars. Hein. C'est pas moi qui ai créé Brookhaven. J'aurais bien aimé. En vrai, si j'aurais créé Brookhaven, je serais riche et j'aurais déjà arrêté l'école. Tout le monde te croit. Bah, forcément, tout le monde me croit. Franchement, qui pourrait ne pas me croire? Oui, y'a Luna, elle m'a sorti un ta gueule. Tu sais même pas écrire. Non, mais d'accord, j'assume totalement. Je sais pas écrire, on me dit 46 fois par vidéo. Mais à un moment donné, quand toi-même tu sais pas écrire, garde ta remarque, hein. Et je vais m'énerver là. Je vais m'énerver. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ça se voit, elle a un œil au beurre noir. Il me frappe pas. La vérité, en fait, c'est... J'ai compris, mais ça, j'ai tout compris. C'est Luna qui le frappe, parce qu'en fait, elle fait vraiment plus bonhomme que lui. Elle se ramène, elle sort des wesh, des ta gueule et tout. En gros, c'est elle qui le frappe. C'est obligé. Elle dit des carambars, elle rentre à la maison et après, elle frappe son mari. Oh non, mais je leur invente une vie, mes stars. Wesh, c'est quoi ça? Pourquoi il y a deux chevaux, il y a un Nutella et un cookie? Eh, mais elle est revenue, Luna, elle est vraiment pas contente. Il y a un lutin de Noël qui s'est ramené. Mes stars, depuis tout à l'heure, en fait, si j'ai envie, je peux rentrer dans leur maison. Mais en fait, j'attends qu'ils rentrent chez eux pour aller les espionner. Mais je peux pas, parce que, en fait, tant qu'ils restent là, bah, ça sert à rien. Et je vais leur laisser une surprise. Et je suis tellement sympa, en fait, qu'en plus, je vais lui dire. Il a mis un petit point d'exclamation, mes stars. Est-ce que vous pensez qu'il va apprécier mon cadeau? Ta copine, elle a fait une overdose de carambar. Regardez mes stars. Attends, il a sorti quoi? Il a sorti Niam, merci. Non mais je suis pépée. Non, elle est chez elle. Mais comment ça elle est chez elle? Vous habitez pas ensemble? Oh, je pleure. Eh, mais faut que j'arrête ça. Faut vraiment que j'arrête. Non, non. Brookhaven! Je vais supprimer ce jeu, mes stars. Je vais supprimer ce jeu, mes stars. À quel moment tu écris? Non, mais attends, quoi? Pourquoi il a fait pop un bébé dans ses bras? Arrête d'étouffer ce bébé. Pose-le par terre délicatement. Ça va bien aller. Je l'étouffe pas. Non, mais c'est bon, on a capté. Tu le prends dans tes bras, tu commences à l'étouffer et tu lui dis... Chut. Dans l'oreille. Je sais que tu es cet enfant qu'on aime bien, mais à un moment donné, apaise ton cœur. Pose le bébé par terre, laisse-le vivre. Je t'ai signalé. J'ai pas capté à quoi ça sert qu'il me signale. La vérité, mes stars, j'ai reçu au moins 46 avertissements sur mes comptes, et je parle de tous mes comptes, et j'ai jamais été bannie, hein, parce qu'en fait, bah, ça a jamais été fondé. Je vais mettre une caméra devant leur porte. Wesh, ils ont enlevé la maison, mais du coup, ma caméra... En plus, elle tournait même pas vers l'intérieur. Elle était vers l'extérieur. C'était moi qui avais en train de filmer. Parce que c'est moi, la star. Ils ont mis une maison en face l'une en face de l'autre. Ils habitent l'un en face de l'autre. Mais en vérité, mes stars, bah, vous, au montage, vous aurez juste la partie où on discute. Mais ça fait quand même 20 minutes que je suis devant sa maison. La vérité, je suis sûre qu'il a quitté me parler. Parce que je pense qu'il doit s'ennuyer dans son couple. Avec sa meuf qui lui dit que des wesh et des ta gueule, mes stars. La conversation doit pas être dingue. Il y a un truc, là, qui est en train d'arriver du plafond. Attendez, mes stars, j'ai vraiment dit du plafond. Ah, mais c'est un traîneau. Moi, je pensais que c'était deux mecs qui tombaient avec un ballon ou je sais pas quoi. Mais pas du tout. On va retourner de l'autre côté, mais il n'y a pas de maison, mes stars. Ah, si, il y a une maison, on va aller voir. C'est la maison à qui ici? Quoi? Oh, Gotha? Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Je sais pas qu'est-ce qu'elle raconte. J'ai pas capté sa langue. Je sais pas trop, mais je vais aller voir ici. Je vais sonner chez cette personne. En plus, elle est chez elle. Regardez, elle est sur son ordinateur. Mes stars, on va aller l'espionner sur son ordinateur pour savoir qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et pour ça, il me faut une échelle pour monter sur son toit. Mais t'es qui, toi? C'est son mec? Je crois que c'est son mec. Je vais faire exprès de bouger un petit peu, genre pour me mettre dans son corps, pour pas qu'elle me bannie. Je crois qu'elle va pas me bannir, mais je suis pas sûre. C'est qui? Ah, ça, c'est encore des gens qui se connaissent.
promesse, je suis sûre que je vais me faire bannir dans 3 secondes, vous allez voir, je vais disparaître. C'est ma maison, mais j'avais capté hein, que c'était ta maison. Toi tu fais quoi? Bah je recrute dans l'armée. Vas-y viens, viens faire mes devoirs mes stars. Je suis toujours bloquée là-dessus. Je veux. Non mais y a vraiment quelqu'un qui a dû me voir et qui veut vraiment rentrer dans mon armée. Et vous, vous voulez venir dans mon armée ou pas? C'est encore mieux que la police. C'est pour faire mes devoirs. Non merci. Ok c'est bon, viens, on s'en va. Il est même en train de se transformer en quelqu'un de l'armée. J'ai pas le premium sur ce compte, je peux pas faire spawner la maison avec le truc de la base militaire. Vas-y viens. Là y a une maison qui a spawn, qui était pas là avant. C'est des Français ça. Bref, on se fait adopter. Que tu fasses quoi que ce soit, je m'en fous. Mais c'est quoi ces gens qui sont tous agressifs sur le jeu, mes stars? Non, dans l'armée on apprend à tirer pas à écrire. Viens recrue, laissons ces primates. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut sauter dans mon camion? Ah bah au pire on va dans le truc de la police. C'est la police, ça. Bah, je sais bien que c'est la police. Moi, j'ai pas de sous pour prendre la base militaire. Vas-y. C'est un test d'aptitude. Pas vrai du tout. En fait, il va juste répondre à mes questions. C'est qui a été le premier roi de France? François 1er. Mes stars, je vais noter comme ça. Je vais tout répondre. Je vous jure, mes stars, sur mon truc d'examen, sur mon devoir maison, je recopie ce qu'il me dit. Comment ça, il est parti, mes stars, alors que j'étais en train de lui poser encore des questions sur les trucs de la capitale de l'Allemagne, c'est quoi? Je crois que c'est Zurich, un truc comme ça. Et s'il dit Zurich, c'est je suis trop forte. J'en sais rien. Mais il est trop nul. Mais moi je sais que c'est Zurich. Qu'est-ce qui se passe là? L'alarme de la banque s'est déclenchée. L'épicerie a été cambriolée. Viens, on va à l'épicerie. Et je sais pas où elle est l'épicerie. Je crois qu'elle est de l'autre côté, mes stars. Faut neutraliser l'individu. Trouvons-le. Ouais, ça se fait, genre il est passé par là. Hein. On sait pas. Je sais pas où il est passé, mes stars, mais il a déjà disparu. On va patrouiller, mes stars. On va patrouiller, on va le trouver, on va le zigouiller, on va prendre tout son argent et on va s'acheter une villa. La banque elle est de l'autre côté, mais c'est un peu bizarre parce que la banque s'est fait cambrioler quasi en même temps que l'épicerie. Ils sont là. C'est eux. C'est eux. On bouge plus. C'est vous qui avez cambrioler la banque, vous êtes juste à côté. J'ai pas d'argent, je te promets. Non mais on n'est pas là pour traqueter, on cherche les délinquants qui ont pris l'argent de la banque. La recrue, elle arrête pas de lui tirer dessus. Je sais, c'est la vérité, j'avais dit la vérité. J'ai que ça. La question c'est, est-ce que t'as vu qui a fait ça? Ma recrue, elle a des papes. Je me retrouve toute seule. C'est pas mon amie, elle est derrière moi. Tu peux partir. La banque, elle se refait cambrioler juste à côté. Je suis juste là. Attendez, on va prendre la carte quand même pour passer. Oh, les individus sont déjà partis, ils sont passés par là. Je vais les poursuivre, mes stars, jusqu'à ce que je les retrouve. Ils sont passés par là. C'est obligé, ils sont passés par là. Ils sont remontés ici. Je sais pas par où ils ont pu passer. La pauvre Émilie, en fait, je crois que c'est vraiment pas elle qui a fait ça. Elle est là tranquille dans son magasin avec son panier à linge. Et c'est pas elle non plus parce qu'elle était dehors au moment où l'alarme de la banque elle s'est déclenchée. Je suis vraiment trop nulle comme militaire. J'arrive pas à faire faire les gens mes devoirs. Ils savent pas les faire. Bah oui, il y a un individu suspect. Je vais quand même prendre mes jumelles. Ma petite paire de jumelles, mes stars. Et on va regarder s'il est louche. Un mec en jogging. Ça, c'est un délinquant. Il met des lunettes pour cacher son air de délinquant. Mais wesh, il est passé devant moi avec sa grosse tête. Non mais ça sert à rien, la banque elle s'est déjà fait cambrioler, y'a plus rien. Ah bah là clairement y'a encore des gens, ils cambriolent la banque. Ah bah toi t'es mort. Toi je t'ai vu en plus par la fenêtre. Et toi aussi je vais te tuer. Et le troisième aussi, mes stars. Vraiment je suis trop forte. Là quand même je viens de tuer 3 délinquants parce qu'ils ont volé la banque. Mais en même temps ils sont pas très futés. Ils se mettent à la fenêtre. Bah forcément je vais leur tirer dessus. C'est trop simple. La prochaine fois, ils seront peut-être plus discrets. Les stars, est-ce que vous pensez que les gens du début de vidéo, ils sont toujours connectés ou pas? Parce que je crois qu'ils étaient là, mais ils y sont plus. Et je suis revenue ici, ils font quoi? Je peux pas t'adopter. Oh, elle est toute triste, elle a pas pu se faire adopter, Lilou. Mes stars, ça fait longtemps que j'ai pas fait un RP où j'adoptais quelqu'un. Et en vrai, je préfère adopter que être adoptée, parce que comme ça, je peux maltraiter mes enfants. La vérité, mes stars, le prochain RP, c'est moi qui adopte. La bise.